Bonjour à toutes et à tous, Bicycle de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Les copains, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, on va peut-être prendre la première place du clan de Noël, les gars. Je suis exactement à 32 trophées de mon petit Morgan 14 qui est parti en pause, les gars. Autant vous dire qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de répit pour le frérot, on va s'empresser d'essayer d'aller le doubler. Je vais essayer de le faire avec Morico, j'ai des brawlers plus bas. Enfin, même si j'ai tout monté minimum 418, mais j'ai des brawlers plus bas, mais clairement, c'est le Rico qu'il faut jouer sur cette map. J'ai lancé un random depuis un petit moment. J'ai trouvé des mecs pas trop mauvais, c'était cool, on a réussi à bien le monter. En tout cas, dites-vous un truc, les gars, c'est que si vous me bombardez les pouces bleus, on va dire objectif de 1500 pouces bleus, je pense que demain, on se récupérera un petit brawler bonus, parce que j'ai 10 fois 25 crédits, ce qui fait 250. Et du coup, on a de quoi débloquer la poly, peut-être même à la fin de la vidéo, en vérité, les gars, si on se chauffe un petit peu, parce que ça ferait un brawler de plus, et potentiellement, les gars, on s'est compris, hein, ça fait pas. C'est pas juste dans ma collection de brawlers, c'est juste que ça me fait potentiellement des trophées en plus, vu que je sens que Morgan, il a un brawler à 0 trophée qu'il a toujours pas joué, je croise les doigts, je pense qu'il veut le jouer dans les derniers moments de la série, sachant que je fais la vidéo le 30 décembre à 11h10, je vais vous publier l'épisode vers 12h30, je pense, aujourd'hui, et du coup, les gars, il restera 36 heures après cet épisode-là, donc on va croiser les doigts que ça le fasse, en tout cas, mille merci du soutien sur cette série de fous furieux. Elle n'est pas encore tout à fait finie, les gars, ne vous inquiétez pas. On ne sait pas encore si on la prolongera ou pas. C'est le dernier jour pour les votes, pour savoir à combien je vais finir ma série en trophée. Donc là, clairement, vous avez une grosse indication, les gars. Dites-vous un truc, c'est que je vais débloquer un nouveau brawler. Le calcul, à mon avis, là, à 10-15 trophées près, ceux qui me connaissent, vous devez savoir à combien on va finir. Le code Gaël, bien sûr, on l'a montré vite fait, mais les gars, le code Gaël dans la boutique, il y a le nouveau Brawl Pass qui sort bientôt, vous êtes vraiment la famille, sans rigoler, vous m'avez explosé le soutien, on a passé des vacances de Noël et un mois de Noël génial, c'était vraiment cool. Il y aura d'autres séries comme ça, ne vous inquiétez pas, les gars. Et c'est vraiment des aventures que je kiffe à chaque fois. On part de zéro, voilà, il n'y a pas, même si j'ai payé sur cette aventure-là, mais c'est un truc génial, donc ne vous inquiétez pas. On va repartir sur le gros compte après aussi, enfin, voilà, on a plein de trucs à faire, hein, no stress, les copains. Ne vous dites pas que c'est... Ne soyez pas tristes, certains qui ont fait l'aventure à fond. Et on va peut-être la prolonger un petit peu, je suis pas sûr de la prolonger très longtemps, mais on va voir un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, je suis avec un tic. C'est pas tellement un... c'est pas le meilleur brawler, je pense. Encore que, ça peut être intéressant. Faut juste pas qu'il aille trop corps à corps les adversaires. Moi, je vais récupérer les caisses. On va essayer de prendre des trophées. Alors, je vous promets pas le beau jeu. Hein. Je fais avec des randoms, les gars. Je sais pas le niveau des randoms. Juste avant, je tombais avec un Spike P10 qui était super chaud. On a fait plus 40 en 2-2. Et des fois, je tombe avec des mecs qui jouent pas. Ça, c'est la grande spécialité du random. En fait, le random met 10 secondes à jouer. Je sais pas pourquoi. Quand je lance, putain, j'ai pas la connexion la plus fluide du monde. Mais le mec, il a 10 secondes de latence, quoi. Je pense que c'est quand même un handicap assez important sur le jeu. Est-ce qu'il y a les caisses en haut à droite? Voilà, il y en a qu'une. C'est pas grave. Il peut y en avoir jusqu'à 4, les copains. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu. C'est pas les ans. C'est pas les adieux non plus. Mais quand même, c'est. C'est un peu les dernières vidéos, les gars. En tout cas, si on arrive à récupérer la première place dans cette vidéo, je sais pas, je me vois bien vous mettre un titre 10-15 minutes pour récupérer la première place en espérant que Morgan ne se connecte pas, sinon la vidéo va durer une demi-heure. On est en top 3, il faudrait qu'on top 2 au moins pour prendre du trophée. Alors bon, le problème, c'est que plus la map se resserre, plus tic c'est clacos. Hein. Autant au début de game, voilà. Autant au début de game, c'est pas trop mal. Ok... Ok, là, lui, il a mis assez chéro à lui. Il s'est fait laver, on est top 2. Est-ce qu'on peut top 1? Est-ce qu'on peut top 1, les copains? Non, on va pas top 1. Je pense pas qu'on top 1. Ok, bon, j'ai voulu prendre les caisses, tenter le tout pour le tout, mais c'est pas grave, les copains. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde, lui, en vérité? Je pense qu'on peut le garder. Hein. Oh, il a pas voulu. On est pas assez fort pour lui, c'est barré. Il s'est barré, c'est pas grave les gars, on a fait du coup un plus 7, il me manque à peu près 32 trophées, donc on s'est tenté un... Oh non, je suis avec une poly pour de vrai là. Non mais attends, tu joues pas poly sur caverne bouillonnante, c'est quoi cette blague? Alors soit c'est le cousin de le nain ou des quoi, et c'est un monstre, soit on est mort, hein, parce que clairement, poly là, c'est pas possible. Je vous jure les gars, c'est pas possible, je crois que c'est peut-être même le pire brawler, hein, parce que Brock en sniper, c'est très fort. Alors je dis ça, il a déjà fait un kill. Il est en train de prendre les caisses en plus. Attends, mais il est... C'est un goth ou quoi? C'est un boss? C'est un boss? Alors, il est en train de tirer sur tout ce qui bouge. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais... Ok, il vérifie tous les bushs. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aimerais bien qu'il ait un ulti rapido, parce que sinon, ouais, voilà, ça va être compliqué. Sinon, ça va être compliqué, à mon avis. Là, le Buster, là, il veut nous surprendre. Il veut nous surprendre. Attention, attention, frérot. Ok. Ok, on est pas trop mal. Pour l'instant, non, qu'est-ce qu'il fait? Il va me le corps à corps? Ok, j'ai préféré lâcher un ulti au cas où. Franchement, pour l'instant, il joue pas mal. Il joue pas mal du tout. Le problème, c'est qu'on a clairement pas la bonne compo. Alors, il y a des Chester aussi. Ça m'aura foutu l'aventure en vrac. C'est qu'il y a Chester et Grey qui sont sortis. Et j'en ai croisé à l'appel. Et en fin de compte, d'habitude, le niveau est plus bas quand tu joues à 300-400 trophées. Et là, vu qu'il y a plein de gros joueurs ou de bons joueurs qui ont débloqué ces brawlers-là, le niveau était meilleur. C'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Attends, je reste concentré quand même sur mes tirs, sur mes angles. Parce que là, ça pue la défaite. Là, clairement, ça pue la défaite. Là, Shelly, elle m'avait dans son viseur depuis un petit moment. On va essayer de faire respawn ma poly, même si elle ne servira pas à grand-chose, malheureusement. On va dire qu'elle est peut-être pas loin du saut, auquel cas... Alors, attends, ils ont l'air de partir en bas à gauche. On va essayer de reprendre la position en haut à droite. Là, clairement, c'est un cache-cache. Hein. C'est un cache-cache, les gars. Ok, on fait top 2, ça me va très bien. On va bien sûr pas poursuivre l'aventure avec Polly. Pas qu'elle était pas forte, mais c'est juste que le brawler est juste pas jouable. Donc on va quitter comme ça. Plus 14, du coup, on est exactement à. On est à 18 trophées de l'objectif d'une vie. Ça fait plaisir. Les gars, ça fait plaisir. L'objectif du mois, peut-être pas d'une vie non plus, n'exagérons rien. Mais en tout cas, vous savez que ça me tenait à cœur de finir premier du clan, même si y aura une récompense pour mes frérots. Alors, une ou deux récompenses, je sais pas. Mais je vais quand même les récompenser parce que c'est quand même la famille et ils ont pris part au défi. J'aurais même voulu en récompenser un autre qui s'appelait Prophélios. Et il est parti du clan parce qu'il avait plus le temps de jouer. C'est un peu dommage parce que le mec s'était battu vraiment, vraiment bien. Il méritait sa petite récompense, mais bon. Tant pis pour le frérot. S'il voit la vidéo, n'hésite pas à me MP. T'auras droit à ton bonbon. Les frérots, je vais me faire soulever. Je vais me faire soulever. J'espère que ma petite Penny va partir. Non! Alors, c'est GG, hein. C'est GG, mais faut qu'il parte, là. Là, je préfère tellement qu'il parte qu'il cherche à faire le héros, là, parce que 4 secondes, 3, 2, et ouais, non. C'est sûr que ça se termine comme ça. Mais c'est sûr, les gars. Quand un mec meurt en survivant la base de la base de la base, le deuxième va se cacher. Clairement, j'aurais pas dû prendre le mythe, c'est ma faute. Hein. Je cherche pas à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais c'est la base. C'est la base du truc, en fait. Parce que même s'il prend 5 caisses, on s'en fout, quoi. Le but, c'est que je respawn et après, derrière, là, c'est la malédiction, quoi. Après Polly, après Penny, on prend un Franck. Je crois que je vais finir en solo le défi parce que sinon ça va vraiment être compliqué. Je me traîne des boulets là. Lui il prend le mid en plus. Ah, s'il croise des Shelly, le pauvre. Ça va être un charge ulti, Red Devil. Il va bien les faire rigoler. Il y a un petit bar tabac. Léon, ok. Ah là là là. Ah là là. Ah là là, les gars. Les gars. Le petit H qui va des pop. Il loupe l'ulti en plus. Oh le boulet. Oh le boulet. Oh là 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 là, là les gars. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Le random, dites-vous un truc, c'est que j'ai toujours eu énormément de respect pour les mecs qui jouent en random. Hein. J'ai plein de mecs qui me MP Insta, qui me demandent comment on fait pour avoir des mates en ce moment, c'est le délire en ce moment. J'en ai plein, mais je sais pas quoi vous dire, les gars. Moi, c'est vrai qu'à part rejoindre des clans un peu pas forcément d'énormes niveaux, mais dans un clan de 30 joueurs, il y a forcément 3-4 mecs qui touchent le jeu bien bien. Mais j'ai franchement le maximum de respect pour ceux qui jouent random. C'est un casse-tête chinois. Là, ça se dégoûter du jeu, limite. Hein. C'est vraiment à se dégoûter du jeu. Hein. Parce que, je vous dis, ça rend fou, ça rend fou. T'es en duo, là, même si tu prends des risques que tu meurs, quand le mec, il est pas capable de te faire respawn. Mais frérot, ça rend dingue. Des fois, des bonnes games, en plus, on a plein de caisses. Alors, attends, là on est pas trop mal. Faut juste que je régène un petit peu... Et ouais, Red Devil, tu devrais jouer plus cool, mon frérot, là. Ok. Là, on brosse cette caisse. Ok, j'ai tué la rampe, les gars. On va essayer d'aller ramasser les caisses. Waouh, mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. J'ai 25 000 caisses, je chope un champ de mine, on va encore perdre des trophées. Bon, allez, vas-y, j'arrête le random, les gars. Bon, RIP à tous ceux qui jouent en random, les gars. Je vous soutiens. Alors, on va tester de faire une game avec Lou, les gars, voir ce que ça donne. C'est un brawler que j'aime bien sur cette map.
On va essayer de voir un peu Billy en haut à gauche et à droite, j'ai pas vu ce que c'était. Est-ce que la Billy va venir me piquer les caisses? C'est la question que je me pose. En général, c'est le spawn où tu te victimes ici. Quand je joue des brawlers un peu claquos, est-ce que la Billy va pas venir? C'était sûr, c'était sûr. Ok. Oh non, 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 non. Ok, on la ramasse. T'as quand même senti, frérot, que c'était limite. Mais on la ramasse. C'est vrai que les longs couloirs loups, c'est pas mal. Les gars, croisez les doigts que ça le fasse. Croisez les doigts que ça le fasse. On a Kéké BG qui s'est fait soulever. On a un Poco par là. Oh, il y a des brawlers éclatés. Hein. Il y a des brawlers éclatés. Ok, ça c'est cool. Pour l'instant, on est en train de faire tous les kills de la map. Ce serait bien qu'ils se killent un peu entre eux aussi. Alors, au mid, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ok, lui, on l'a touché. On l'a quasiment gelé à la moitié. Ah, le coquin. Je me disais, mais il se laisse bien toucher. Non, non, il avait juste mis des mines. Par là, là. Voilà, il met ses mines, tac. Bon, pas grave, on va le laisser avec ses mines, on est top 5, les gars, déjà, on est sûr de prendre des trophées. C'est malheureux, hein, mais c'est plus simple de jouer en solo qu'en random, hein, les gars, qu'en duo. Hein. Je vous assure, hein, si vous avez un niveau correct en solo, franchement, les gars, ne vous posez même pas la question. Bon, bah là, on va tempo par là. Allez, il faudrait qu'on soit top 3, ce serait cool qu'on puisse prendre au moins 6 trophées. Il y a un beau au mid, est-ce que c'est le beau qui était à... Non, il y a plusieurs beaux. Il y a clairement plusieurs beaux. Ok, on a fait le kill, là. D'accord. Lui il saute, ok. Il y a un mec là apparemment. Ok, il y a un mec là, c'était le bout de tout à l'heure ça, non? Faudrait qu'on top 3. Moi je vous dis, mon objectif c'est top 3. Ah, le Dina, escroc, furé, GG, GG. Bah je l'ai pas vu, il m'a stun. Hein. Malheureusement, on peut... Ah, ils sont ensemble carrément, le mec il a tourné style, bien joué. Bien joué à toi, vas-y, on s'en relance une petite. Une petite sur la Lou, je sens qu'elle a du potentiel, le problème c'est que faut qu'on croise des mecs un peu costauds, style, faut qu'on croise même un L costaud, un boule, des trucs comme ça, vous allez voir à la vitesse à laquelle on les neutralise, c'est vraiment génial. Parce que là pour l'instant, c'était pas foufou. Ok, on récupère une caisse, en bas à droite c'est quoi? Bah justement il y a un costaud, j'ai tellement envie de rentrer au mid, mais je vais me faire soulever. Ok, y a, putain, je dis, je veux croiser un boule et L costaud, je croise les deux quoi. Ok, là ça va se tuer. Ah, attention, attention, boule ulti, les gars. Boule ulti. Lui, je pense qu'il a envie de prendre la caisse, c'est sûr. Il me montre qu'il a un ulti, mais franchement, frérot, j'en ai rien à faire. Hein. Sincèrement, là. Attends, faut qu'on le freeze. Faut qu'on le freeze à fond. Oh non, purée, il a 1 mm, les gars. Purée, il était à nous, lui. Ça rend fou. Ça rend trop fou, ça. Ça rend trop, trop fou. Il s'appelle quoi? Tennyson. Tennyson le Sam. Ok, les gars, on n'a pas réussi à tuer le boule. Moi, je pense qu'il faut qu'on temporise et qu'on essaie de grappiller cette fois un top 3. Je pense pas qu'il y ait des mecs. Par contre, s'ils sont tous au mid, ils se seraient déjà entretués. Donc, ça veut dire qu'il y a des mecs un peu planqués de partout. Alors déjà, il y a la Billy qui a tué le costaud, donc il reste le boule et la Billy. Il reste boule Billy, c'est plutôt des brawlers qui peuvent nous réussir, les gars. Même si on n'a qu'une caisse, je peux vous assurer qu'on peut réussir à faire un retournement de situation. Alors faudrait quand même... Ouais, il y a un Mortis qui a tué un boule, les gars, qu'est-ce que c'est? Ils ont fait alliance, ça y est? Oh, purée. Pas grave, on fait un top 3, les gars, c'est pas grave. On va aller voir les trophées un petit peu, combien il me manque. Combien il me manque? On fait un plus 10, il va du coup me manquer... Il avait 20, 24. Le... Pourquoi j'ai relancé avec Lou, les gars? On aurait dû changer. Qu'est-ce que je suis bête, purée, j'ai gré. On s'en fait une der avec Lou et après on ira changer le brawler juste après. Alors il y a potentiellement de la caisse à récupérer en haut à droite si le mec à spawn juste à gauche ne vient pas les chercher. Oh, il n'y en a qu'une, on n'a pas de chance. Sur les spawns, on n'est pas incroyable dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, les gars, on n'a pas besoin des spawns pour y arriver. En tout cas, peut-être qu'ils peuvent s'éliminer. Hein. Des fois, il y a des games, tu fais top 2, top 3 vraiment en 30 secondes. Hein. Il suffit que les mecs soient tous mis en tête de prendre le mid. C'est un carnage. Alors j'aime pas tellement quand les caisses ont été les farms en début et qu'ils ont été à... Ils ont arrêté de les farm, c'est bizarre en général. Dommage que le tick ait pas continué à lui mettre la pression, c'était plutôt cool. Alors le tick, pour l'instant, il me touche pas trop. On va espérer, pardon, qu'on se fasse pas enfermer là.
Alors le tic, il tire sur le mid, on est déjà top 5 les gars, c'est plutôt pas mal. Oh purée, pourquoi je prends le mid? Pourquoi je prends le mid? Pourquoi je prends le mid les gars? Ok, on va quitter Lou, on va la... Il va me manquer combien de trophées les gars? Il m'en manque 12, ok ok, on va se... Qu'est-ce que vous voulez? On tente un buzz? On tente un buzz, vas-y. On va tenter un buzz les copains, 12 trophées, on va essayer de se les finir avec le buzz. Et ça fait une vidéo assez longue, hein. Je suis désolé les gars, mais bon, ça fait plaisir quand même. Allez les copains, on veut la première place du clan, le frérot il va se connecter, surtout qu'il va y avoir une espèce de battle là quand il va se connecter, qu'il va voir que je l'ai doublé là, il va péter un câble. Il va péter un câble, attention le dîner en bas. Ok, Cyrus, qu'est-ce que je fais hein? Cyrus, qu'est-ce que je fais là? Être au mid. C'est risqué, mais ça me charge l'ulti. Ok, oh, il y a une poly qui rentre au mid sans rigoler. Alors là, on n'est pas très très loin de l'ulti, les gars. Si jamais j'ai l'ulti, la poly, je la... Alors là, le risque, c'est qu'il y a un boule ou une shelly ou un truc qui a vraiment beaucoup de caisses qui viennent me fight. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais... Ok, ok. Le beau, il est vénère sur moi. C'est pas grave. Moi, je suis pas loin d'avoir un ulti. On est en embuscade au mid. La poly, elle est encore vivante. J'ai pas intérêt à mourir avant la poly. Ah, il m'a saoulé, lui. Et lui, il me voit. C'est sûr qu'il a la vision, le frérot. Là, tu te dis, il est meilleur. Il est pas du tout meilleur. C'est juste qu'il a la vision. C'est beaucoup plus facile pour lui. Ah, je suis chaud bouillant, les gars. Je parle pas beaucoup, là. Est-ce que je vais prendre le kill sur un beau ou est-ce qu'on tente le braquage, là? Parce qu'en vérité, je peux tenter le top 1, là. Si jamais ils s'éliminent un peu entre eux, je peux tenter le top 1. Ah purée, elle a réussi à sauter. Elle a réussi à sauter. Je vais encore faire la place Klakos. Ça fout les boules, là. Ça énerve, les gars. Il manquait, quoi, 12 trophées, donc il m'en manque encore 8. Là, on relance avec Buzz. J'ai une revanche à prendre sur Buzz. Buzz, c'est un brawler qui a du potentiel sur cette map. Faites quand même attention, parce que, bien sûr, le Buzz qui est OP sur cette map, c'est le Buzz avec le gadget vision, les gars. C'est celui-là qui est OP. Hein. Moi, celui que je joue, là, pouvoir 5-6, non, il est Klakos, parce que cette map, voilà. La Buzz à droite, il a forcément la vision. Si tu prends Buzz sur cette map, c'est soit que t'as la vision, soit que tu joues comme moi, t'as plus trop le choix... Bah t'as plus beaucoup de brawlers à monter, du coup forcément il faut les jouer aussi ceux-là. Mais c'est vraiment l'avantage. Non, je vais pas du tout faire team avec lui parce que déjà il va me trahir. Et en plus, hors de question de manger de ce pain-là. Alors attends, il y avait une Shelly à gauche qui était cachée. Il y a des mecs à droite. Vous avez vu, on a chargé l'ulti par là, donc il y a forcément des mecs par là. On est encore 9, faut que je fasse quoi là? Là, faut que je fasse un top 2. Hein. Pour qu'on ait les trophées, faut que je fasse top 3. Top 3, ça suffit, je crois. Attends, j'ai fait quoi avant? 6? 4? Non, j'ai fait... Non, là, il me faut un top 2. Il me faut un top 2, les gars. On a une Shelly là. On a un costaud. Ouais, non, par contre, costaud avec... Oh, il a un ulti, il a un ulti, il a un ulti. Oh, la poisse, les gars, la vidéo qui n'en finit plus. Oh là là, combien de trophées il manque là? Il m'en manque encore... Ah, je sais plus quoi jouer, les gars. Je suis au bout de mon inspiration, là, vas-y. Aveu de faiblesse, là, on prend le gré. On va essayer de jouer comme ça. Oh, c'est la vidéo la plus longue de l'histoire de ma chaîne, là, purée. Oh là là, il y a toujours une Shelly, un truc. C'est tellement insupportable solo. J'aurais tellement dû partir en duo, mais j'ai pas de mate connecté, là, le matin. Tac. En plus, j'essaie de me débrouiller tout seul, quoi. Je trouve ça plus sympa. Ok, le Grom, on l'a touché une fois. Ouais, je vais me faire soulever, là. Je vais me faire soulever, c'est sûr. Vas-y, je vais lui laisser les caisses, hein. Je vais lui laisser les caisses, les gars. Tant pis, hein. Ah là là, ça me manque d'avoir un Léon, un truc comme ça, là. Alors là, vous avez vu, le Buzz, il a activé la vision au mid, là. En bas à droite, ça a été farm. Est-ce qu'il y a un mec par là? Ah, le Grom, le problème, c'est qu'en début de game, Grom, quand il a la vision, là, enfin, quand il est aux extérieurs de la map, c'est tellement fort. C'est tellement fort, Grom, sur cette map. Le problème, c'est qu'il tombe sur un Edgar, il se fait éclater, quoi. C'est fort, mais il y a des trucs et le counter très, très fort. Le Grom, il est là. Vous voulez qu'on aille le chatouiller un petit peu? À mon avis, ça va pas lui plaire. À mon avis, ça va pas lui plaire. En tout cas, on est top 4. On est top 4. Il a 6 caisses, cam. Il a 6 caisses, tac. Alors, on est top 3, là, on est bien. Là, c'est une game qui rapporte des trophées, les gars. Celle-là, elle fait plaisir, en espérant que le Grom se fasse soulever avant moi. Mais alors là, c'est...
Ouais, là, vous l'avez vu, le buzz. Hein. Lui, il m'a vu. Hein. Lui, il m'a vu, clairement. Est-ce que le buzz aurait la bonne idée de tuer le Grom avant, s'il te plaît? S'il te plaît, mon petit? Ok, donc là, on a déjà un TP. Voilà, les gars. Il faut compter que sur soi-même. Et du coup, on fait un top 2 intéressant. On fait un top 2 intéressant, parce que là maintenant, les gars, on n'est plus qu'à une partie d'être premier du clan après une longue vidéo pénible, fatigante. On a peut-être... En plus, c'est cool. On a tué le Grom qui faisait le malin au début grâce au TP qui est vraiment très fort. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a des caisses en haut à droite. Oh, il y a 3 caisses. Est-ce que je vais me les faire voler comme tout à l'heure ou est-ce qu'on va se faire un petit peu plus... Un petit peu plus respecté. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de mourir? Est-ce que ça vaut le coup de mourir ou pas là? Je me pose la question si je finis le fight au risque de mourir ou pas. Eh oui, on se bat pour les caisses, les gars, vous avez pas rêvé. Alors là, si j'ai un TP, comment je l'aurais lavé? Mais forcément, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore le TP. La 3800 PV, je pense pas que ça vaille le coup de... Attends, là, on est en train de le manœuvrer, les gars. On le manœuvre, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Il n'est pas si mauvais que ça, le frérot, là. Ok, il n'est pas si mauvais, mais on a fini par l'avoir. Alors, il y a 3 caisses à récupérer. On va éviter de mourir dans le poison, ce serait dommage. Pour la dernière game, on est à 5 caisses, on est top 4, les gars, je pense que je suis premier du clan. Je pense que c'est presque officiel. On est top 3, on va essayer de se farmer cette caisse-là. Tac, on est top 2, voilà la game qu'on voulait, les gars. Attends, qu'est-ce qui reste? C'est un buzz, du coup. Buzz, en général, ça nous laisse pas beaucoup de chances de win. Hein. Si on pouvait finir par un top 1, ce serait exceptionnel. Et voilà, on n'a pas souffert, c'est l'avantage. Ah, buzz vision, les gars, vous avez vu le petit cercle autour de ta tête? C'est la vision, vous ne rêvez pas. Et du coup, là, est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est validé, les gars, les trophées? On est pile poil à un trophée de plus, je crois. Même pas! Il s'est remis à jouer! Il s'est remis à jouer, le coquin, le Morgan, il s'est remis à jouer, il a pris ses 20 trophées, oh l'escroc. Je rentre ce soir, Morgan va tryhard sa max. Vous voulez qu'on tente une dernière game, les gars, ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on tente une dernière game? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? On va voir un petit peu. Ah, je pense qu'on va arrêter là, les gars. Ça va faire une vidéo trop longue, les gars. Et du coup, 20 minutes pour être premier du clan, c'est un fail, les gars. Vous ne rêvez pas, c'est un fail. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que demain, on va récupérer notre poly. On est à 22 925 trophées. On va récupérer un tas de récompenses. En tout cas, moi, je vous fais des gros, gros bisous à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.